Salut YouTube, comment tu vas? Aujourd'hui, nous avons deux questions à poser. La première, est-ce que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid ou prolonger au PSG? Et la deuxième, est-ce que je vais réussir The Beast avec Tainted Forgotten? C'est la question qu'on va répondre aujourd'hui, hein, parce que Kylian Mbappé, s'il faut, à l'heure où cette vidéo sera tournée, il aura déjà signé au Real Madrid. Voilà, bisous. Tainted Forgotten, The Beast. C'est parti. Let's go. Alors, Tainted Forgotten, hein. C'est un perso sympa. Hein. Voilà. Hein. Il fait peur au premier abord, mais c'est un personnage fort sympathique puisque, voilà, vous incarnez deux personnages finalement. Celui tout bleu, là, voilà, qui n'est pas un schtroumpf, qui balance son pote, voilà. Il balance Forgotten justement, voilà, qui fait des dégâts quand vous le projetez comme ça, et qui peut accessoirement taper, et ça c'est rigolo, hein. Ça fait peur au premier abord, hein, bien sûr, mais c'est fort sympathique, et voilà, bon, je reset pas pour l'instant, on va voir si on peut en tirer quelque chose de cette run, voilà, vous voyez, hein, le gameplay fabuleux, hein, de Tainted Forgotten, c'est, voilà, pour ceux qui connaissaient pas, hein, voilà, c'est sympa. Let's go. Il peut voler, donc ça c'est pratique pour ce genre de choses, pour se faire baiser sur les boutons, voilà. Bon, ça globalement, les boutons à chaque fois, c'est la baiserie, hein, bien sûr. Voilà, vous pouvez faire ça éventuellement. Voilà, vous faire toucher aussi parce que vous êtes un sacré connard. Sachant que The Soul, c'est The Soul, je crois qu'il s'appelle, peut se faire toucher au contraire de Forgotten, voilà, qui lui est totalement free. Voilà, bon, par contre, si je suis un gros naze dans le jeu, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est parti. J'ai pas la salle d'objets, c'est ça qu'on est en train de me dire. On va aller la chercher. Voilà, une petite clé sympathique. Bon, on n'a pas vu de curse, mais les curses sont gratuites, hein, avec. Enfin, l'accès aux curses en tout cas. Vous pouvez aller dans toutes les curses et ça, c'est une des forces de Tainted Forgotten. Voilà, je suis déjà en train de faire de la merde, là, c'est pour vous. Hein. Voilà, je suis pas dans la merde là. Hein. Mais comment je fais là, hein? Non mais allez, allez, non, non, mais c'est le skill avant tout. Ouais. Voilà, allez, la précision d'orfèvre, bien sûr. Hein. Bien sûr, hein. Voilà, une petite carte Ace of Club, ça c'est pratique. On va aller à Item Room, bien sûr. Midas Touch, bien sûr. Bien sûr, hein. J'ai tout sauf envie de me faire toucher. Hein. Est-ce que je vais au shop? Est-ce que. Regardez quand même, c'est gratuit. Allez, on va éviter de balancer Tainted Forgotten sur les objets. Bon, là en l'occurrence, j'ai pas de thunes. Mais si j'avais les thunes, je pourrais très bien acheter les magasins enfin, les objets du shop. Hein. Alors ça c'est juste chiant pour faire ça. Bon ok bon. On va vous épargner ça. Hein. Ah super! Et tu tournes pas en gold, non? Non non. Ah mais s'il faut, Midas Touch, ça marche sur Forgotten en fait. Et pas sur moi. Ouais, donc on s'emmerde. Donc je sens que je vais la reset. Non. Allez, on va reset, on va voir. Attendez, oh, Darkness on s'en fout, non? Let's go. Voilà. Très bien. Bon, évidemment, il peut dropper les objets tout comme The Soul. On s'emmerde là, non? Je peux récupérer mon. Merci. Ah, mais j'ai pas de bombe pour le coffre. Bon, c'est pas bien grave. Bon, on a récupéré deux cœurs. Oui, aussi, la particularité de Tainted Forgotten, c'est qu'il peut avoir que des cœurs bleus ou cœurs noirs. Et pas de cœurs rouges. Ça sert pas à grand chose. Hein. Ah oui, bah oui, le Shroud Speed, c'est pour Forgotten, bien sûr. Ah oui, bien joué. Ah, c'est bien joué ça. Tu veux pas venir? Voilà, très bien. Ah, c'est bien joué ça. Voilà. Ça devenait anxiogène. Hein. Ouais, poussez-vous. Hein. Bon, la pilule, on l'utilise pas pour l'instant. C'est pratique ça, hein. Voilà, vous posez votre Forgotten, voilà, c'est comme le balai, c'est comme les balais automatiques là, ça marche tout seul, regardez, hop là, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais bref. Voilà, ça c'est pratique, hein. Vous volez, vous passez à travers les murs, c'est pratique, hein. Voilà, c'est le principe du vol. Hein. Et pas une item room, hein. Pas gentil ça, hein.
Ouf, ça c'est emmerdant, oui. Oui. Ah oui. Bah, allez, vous allez voir, vous allez halluciner de la précision que j'ai avec ce personnage. J'ai le son du jeu qui est un peu fort. Oui. Ok. Tout va bien. Ouais, c'est sympa, ouais, mais j'ai pas d'item room là. Hein. Allez, t'es de l'autre côté, mais je suis dégoûté, oui. Bon, on a pour objectif de faire The Beast. Hein, voilà. On verra ce que ça donne. Hein. Petite Wheel of Fortune, c'est cool. Petite bombe, c'est cool aussi. Allez, regardez, cet objet va être incroyable. Ça va. Stigmata, ça va. Allez. On va aller au boss. Et sachant que je démarre. Ouais, j'ai pas dit, mais je démarre pas avec 3,50 de dégâts. Parce que Stigmata, 6,12, ça m'augmente pas 6,12, hein. Non, hein. Donc c'est parti. Ah, on va s'emmerder. Hein. Ah voilà, ça commence bien. Voilà, bon, évidemment, il faut pas être un gros sac à merde. Voilà. Ça passe bien. Ah, je me suis évidemment raté, hein, bravo. Allez, dégage. Voilà. Ça c'est bien pour les os de. Enfin pour le tir à... Ouais, pour tirer plus vite, ça c'est bien. Et on continue. Allez, direct la curse, on y va. Ouais, tu peux péter sur mon truc, ouais, si tu veux. C'est parfait. Un petit cœur bleu, c'est pas de refus, hein. Et n'entendez pas le refus de. D'Hadès, hein, même si c'est une bonne ref. Bon, évidemment, si vous ratez après, il faut récupérer le Forgotten. C'est assez technique, hein, bien sûr. Ça, c'est pratique. La Curse Room, on s'en branle. Ouais, non, il faut pas se rater quand on fait ça. Sinon, il faut le récupérer dans les flammes. Et c'est chiant. Ah, bravo! Bravo, le veau. Ouais. J'étais bien coincé là. Bon, on peut pas récupérer les cœurs rouges. Hein. Un petit Dark Bum, hein, serait bien avec Tainted Forgotten, bien sûr. Mais on l'a pas. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Casser des caca avec Tainted Forgotten, c'est chiant. Voilà. Homing Tears. Mais ça pue la merde. Pue la merde avec lui, non? C'est Lost qui fait du homing. Ouais, bien sûr. C'était assez prévisible. On va péter les flammes, hein, bravo. Ouais, j'ai failli y aller en plein dedans. Hein. Voilà, ouais. Pas d'embrouille. Je vais peut-être pas aller au shop de suite. J'ai qu'une clef. Alors qu'il y a un rocher marqué. Ah voilà. Alors, évidemment, voilà. Faites pas la même connerie. Hein. Les bombes, c'est Forgotten qui les pose. Hein, donc, il faut bien prendre le soin de le prendre avec vous si vous voulez que ça se passe bien. Allez. Voilà, ça fait plaisir ça. Bon, évidemment, on cherche à avoir un peu plus de range hein, avec Forgotten, hein, en plus du dégât. Parce que, bon, évidemment, l'os est calé sur vos dégâts, bien sûr. Hein, donc, il faut, c'est important d'avoir des dégâts et de la range. Voilà, parce que si vous avez de la range, vous avez. Vous pouvez taper plus loin avec l'os. Du speed, c'est bien. Et on va tenter Godrome. On va jouer Godrome. On va jouer Godrome. On va voir. J'ai jamais fait The Beast avec Tainted Forgotten. Donc ça va être sympathique. Curse of the Blind, évidemment. C'est génial. On va passer un bon moment. Un peu merdant cette salle. Hein. Je suis catégorique. Hein. Ah, coup dur. Attendez, attendez, on profite de la cuillère. Hein. Ouais, c'était sympa. Hein. On ferait plus jamais. Hein. Ah, quoique. Ça nous a bien aidé. En vrai. Bon, c'est pas foufou, hein. Ah. Ouais. Voilà, là, je dois pas me faire toucher. Hein. C'est une erreur.
C'est terrible. Là, j'aurais pas dû me faire toucher. Ah, c'est bien pratique là. Allez hop, ça dégage. On est beau jeu? Oui. Oh, Polyphème! Oh oui! Ok. On lâche le flingue. Ça va bien se passer. Polyphème, voilà. Bon, c'est un peu l'item. Enfin, craqué. On va éviter de. Voilà, bon, du coup, je vous parlais des dégâts. Hein. On a 24 de dégâts. Et en plus, avec le homing, là, ça peut devenir intéressant en vrai. Oh, c'est bien ça, non? Ça pourrait être que bien, un objet sur un coffre doré, ça pourrait être que bien. J'y crois à mort en Curse of the Blind. Faites pas ça chez vous, hein. Sans l'avis d'un professionnel, bien sûr. Voilà, on s'est pas fait toucher, c'est nickel. Bon, évidemment, le tir à l'os, bon, c'est anecdotique. Voilà, bonjour! Bonjour! Connard! Pas dû me faire toucher. Godroom? Pas du tout. Old Bandage, c'est bien. Est-ce qu'on farfouille un petit peu? Je serais d'avis que oui. On n'est pas pressé par la montre puisqu'on a déjà fait. On a déjà fait Hush et Boss Rush. Donc on va fouiller l'étage. J'ai 5 bombes, ouais, éventuellement pour chercher une secrète. On est bien là. On est plutôt bien, hein. J'espère que ça va vous, hein, en tout cas. J'ai failli me faire toucher, c'est réel. Hein. Ah, il y a la petite curse. C'est vrai qu'il y a la curse, donc ça c'est très intéressant d'y aller. On va peut-être avoir la red key. Hein. Oh, j'ai failli la rater. Le cœur noir, c'était une bonne idée d'aller explorer cet étage. Et la challenge room, est-ce que je vais faire la challenge room? Hésitation du joueur français. On a récupéré des clés, c'est cool. Ouais. Est-ce que je fais la challenge room? Ouais, je suis d'avis que ouais. Ouais. On l'a récupéré, regardez-moi ce skill incroyable. Oh non, mais Polyphème, bon, vous avez un peu l'idée de Polyphème avec Tainted Forgotten, hein, si vous l'aviez jamais fait. Hein. On peut faire ça aussi hein, pour faire des techniques de speedrunner. Regardez, hop là, voilà, on s'envoie Forgotten dans la porte et voilà, ça va plus vite quoi. Vous voyez? Hop là, hop là. Donc pas du tout. Hop là. Et allez. Et on y va. Allez, on arrive à Caves 2. On va catacombe 2, c'est pareil. Bon, ça l'a pas one shot. Dommage, hein. Pas tout avoir, hein. Allez, 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 donne tout. Parfait. Bon, Polyphème, c'est un objet incroyable avec Tainted Forgotten. Hein. Ça pourrait bien. Moi. Éventuellement, si je suis un joueur de merde, voilà, on peut la perdre. Mais ouais, bon, ça c'était vraiment débile. J'aurais pu complètement temporiser. La voilà, précipitation. Mais on va se refaire un cœur bleu, je vous jure. Pas eu l'item room. Hein. Oh, il y a la super secrète là. Bien sûr. Bien à chier. Bien chier cette super secrète. Allez. Yell Shop, j'ai 10 pièces. Bon, je suis pas un foufou en pièces. On va quand même aller regarder. Il y a la Bible. Voilà. Voilà, bon, concrètement, voilà. J'ai perdu.
J'ai perdu mon pognon. En parlant de fois, un jour que je pense à réinvestir ma machine, hein, parce que et j'ai plus d'argent. Hein. On va prendre la Bible du coup. Voilà, bon, ça me permettra de buter assez facilement le pied, le cœur. Bon, ça se prend de la tête, même si bon, avec ce build là, c'est pas non plus impossible. Hein. Ça va quoi. Wow! Double escape. Voilà. Vous êtes chiant, hein, merci. On récupère la clé. Petite curse room. C'était super ça. J'ai pas aimé cette expérience. Ouais. Ouais. The Sun. On va le claquer, ouais. Sachant qu'il faudrait aller chercher The Full Adepts 2, hein, donc. J'attendais, voilà. Ah, ouf, ça va pas tuer. J'ai eu peur que ça le tue pas. Voyons, petite secrète. Ah, c'est super nul. C'était super nul. Glitter bomb? Pourquoi pas? Allez. The Hierophant? The Sun, j'ai bien envie de dégommer. Bon, je vais quand même garder The Sun pour. Pour l'étage suivant. Je pense pas avoir besoin de High Priest Taste pour le boss. Oh, c'est un peu chiant ça. Ouais, c'est chiant. Hein. Cette araignée de mort là. Voilà. Temperance. Voilà. Voilà ce que j'en pense de Temperance, hein, voilà. Vous avez la réponse. On peut, voilà, on peut aussi ouvrir les coffres piégés. Comme ça. C'est gratuit. C'est fort, hein, Teddy Forgotten. Faut pas le sous-estimer, loin de là. C'est où la salle là-bas? C'est là-bas. Et moi je me mets à côté de ça, au calme. Pas peur, moi. Bon, on n'a pas accès à la challenge room. Non, la méthode de speedrunner, bien sûr. Hop. Ah, c'est Bumbo, hein. On va le déglinguer. Ah, j'ai réussi à me faire toucher. Sensationnel. Voilà, petite Godroom. Impeccable, Dolly, c'est impeccable. Parfait ça, Dolly. Bon, par contre, deux cœurs rouges, t'amuses. Hein. Deux Soul Heart. Parfait ce Soul. Oui. Voilà, la range incroyable. Bon, c'est vrai que là on a une bonne, très bonne range, hein. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Allez. Allez, Depth One. Ouais, c'était plutôt chiant comme ça là, on va pas se mentir. Attendez, on va passer par là pour la secrète. Ok, très bien. De la piécette, bien sûr. Oh, la range. Ah oui, la range. Bravo. Wow, bravo, ça aussi. Bravo, bravo, bravo. Le hold bondage qui a fait son effet. Parfait. Challenge room. Ouais, je suis un mec comme ça, moi. Et vous? J'ai pas le droit de me faire toucher là-dessus. Du lock-up, c'est bien. Ah, je me suis fait toucher par le picot, bravo! Mais, je suis décidément un connard, oui. C'est acté, hein. On n'avait pas assez de dégâts, je trouve. Trouve qu'on n'avait pas assez de dégâts, hein.
Bah vas-y, pète sur mon Forgotten, c'est bien. C'est bien. Pas de rocher marqué là, non? Ok. Bon, faut pas qu'on oublie d'aller chercher. Enfin là on est à Depth 1, mais faudra pas qu'on oublie The Fool à Depth 2. Hein. Bien sûr, sinon c'est mort. Hein. Sinon on sera obligé de faire Méga Satan avec la clé. Ah ouais. Non, j'étais dans l'optique de faire The Beast. Vous voulez bien mourir? Merci. Ça m'arrangerait fortement. Ok, on est revenu là. On va chercher l'item room. Bien mourir, merci. Pilule, on joue pas pilule. Hein. Hors de question. Bon, on peut dégommer votre pote de champion là. Enfin, l'élite. Viens ici toi. Voilà. Envie de faire péter les crânes moi. On peut y avoir une petite carte quoi. Bravo. Je regardais pas. Ça c'est bien ça. Du luck up. Oui mais en plus c'est les pilules garanties ça. Eh bien, mais touchez-le! Mais par pitié! Par pitié! Non mais. Merci. Cette pilule est forcément bien. Ah bah du coup, je suis obligé. Oh, j'ai trop envie de tenter l'autre pilule. Allez, allez. Regardez, lock up. Range up. J'ai pas assez de range, je trouve. Ah, je l'ai vraiment raté, oui. Deux pilules! Ah, c'est forcément bien. Non. Alors, non. Je l'ai faite une fois, ça va. Hein, ça c'est bien, expérimental pile. Hein. J'ai pas vu ce que ça a changé derrière cette merde. Hein. Donc, on va se casser. Hein. Ok, let's go. Allez, faut mourir, madame. Merci. Ça pue un peu ça. Ouais. Mais il est où le boss? Au secours? Vous n'aurez pas ma liberté de penser, bien sûr. Mais le boss, on l'a fait, c'est vrai, je suis con. Oui, totalement, totalement, totalement. Hein. La technique de speedrunner, bien sûr. C'est bien raté. Hein. Allez, il y a forcément une carte là. Ben voilà, en plus, c'est The Hierophant. Allez, hop là. On sait jamais au cas où qu'on perde quelques cœurs bleus. Hein. Ce qui va arriver. Hein, faut... J'ai pas fait le shop? Si. Mais il était pas intéressant. Ou je m'en souviens plus. Ok, Depth 2. Donc là, on va falloir aller chercher The Fool. Hein. On va aller chercher The Fool. Bravo! Ah, il y a des flammes bleues, hein. Ah, ça, c'est bien de voler, c'est que, évidemment, le sang qui est projeté sur le sol, on n'en a rien à battre. Hein. Ça, c'est pratique. Là, on est bien. Range up! On ne se refuse rien! Oh, de suite, hein. Je sens que vous me jugez, hein. Je me sens jugé. J'ai pas encore vu le. Non, il est pas ici le crâne. Ah, il est ici. On va d'ailleurs. Hop là, voilà. On va le récupérer de suite. On va le récupérer de suite. Allez, on se concentre. Allez, petit item room. Oh putain, cricket's body? Est-ce que c'est pas fumé? Attendez. Ah oui, là forcément, ça fait du split. Ah ouais, ah ouais.
Ah, il y a du potentiel. Oh, allez, on va rechoper une carte là. Une rune, Berkano. Bien sûr. Le chopu. C'est vrai que pour exploser le piège et le. Ouais. On va y aller de suite en vrai. Alors il y a boss rush. On va choper l'objet du boss rush. Technique de speedrunner. Dirty Mind. Dirty Mind en vrai. Je sais plus si les cacas sont scale sur le. Je sais plus. On va aller récupérer. Ah, et c'est là où j'aurais dû garder la carte The Hierophant. J'étais con. J'étais un peu con, c'est pas grave. Oula. Très bien. Donc. Merde, j'ai vraiment claqué la Bible. J'ai pas fait exprès, hein, je vous jure. C'est pas très grave. On en a pas besoin, on vole déjà, de toute façon. Non mais. Non mais espèce de connard, hein! Non mais. Mais m'emmerde! Il m'a pas respecté votre pote, hein! Je ne suis pas respecté, c'est fou, hein! Ok, une petite curse room. Bon, les curse rooms sont pas faux folles, hein! Ils sont pas faux folles, hein! Oh, on passe pas comme ça. Hein. Alors attendez, j'ai Dirty Mind. Hein, faut. Ce serait con de pas en profiter, quoi. Ce serait con, quoi. Sacrifice Room. Ouf. Ah, ouais, attendez. Voilà, et des caca, des caca. Ok. La porte est là. Est-ce que j'ai tout visité? Oui. Bah, allons-y. Ah, petit mausolée, on adore la musique du mausolée hein, ici. Hein. Ah putain. C'est pas très grave. Non, je suis pas honte. Non mais. Ça avait plus passé la porte, monsieur? J'ai glitter bomb. Hein. Strength. Aussi impress. Speed up. Non, c'est beaucoup mieux strength. Tweed. Pourquoi je réfléchis? Faut que je le pète ce tourbillon. Bravo! C'est pas chiant. Ouais, ça c'est chiant. Ah ouais. Si je le pète pas, ça aussi, je peux m'en prendre qu'à moi-même, quoi. Tweed. C'était facile, ça. Je vais pas trop chercher les secrètes, pour être honnête. J'aurais pu, hein. Range up, speed down. Bon, ça me garde un indice de vitesse, ça va. Oh, c'était énorme. Oh, Cricket's Body, c'est incroyable, hein. Incroyable avec Forgotten et Polyphème. Hein. Je vais pas trop rester dans les environs, là. Ah. C'est un peu nul ça. C'est un peu nul. C'est un peu nul, mais ça spawn une carte.
J'y réfléchis. Mais je pense qu'il sera. Oh non, il vaut mieux que. Vu comment le cœur est chiant. Enfin, pas le cœur, c'est le pied qui est chiant. Mais non, mais non, mais je fais pas Mother, je dis n'importe quoi, donc en fait, je m'en branle. J'ai juste le. J'ai même pas le cœur à faire. Donc en fait, je sais même pas pourquoi je garde la Bible. C'est même pas une question en fait. Je récupère le cœur bleu parce que bon, hein, pas déconner. The Emperor. J'ai pas besoin de The Emperor. Ah, c'est 6 charges, c'est vrai. Voilà. J'ai joué un coup de machine, ça vous tentait, hein? Je fais 3 cœurs. Ah, mais j'ai ouvert la porte. Non, mais c'est bon. C'est bon, j'ai buté tout le monde. Bon, ces ennemis en temps normal qui sont chiants. The Empress, non, je garde Strength. Ok, très bien. Ok, bah écoutez, hein. Pense pas qu'on ait besoin d'aller plus loin. Allons-y, faisons-le remonter. On est à combien d'ailleurs de run? 25 minutes, ça va. Ça va en vrai. Ok. Donc là, ouais, y a rien, c'est logique. Bon, j'ai un peu peur pour Dogma. Et je ne sais pas ce que donne Tainted Forgotten sur. Sur The Beast. Est-ce qu'il reste en l'air? J'espère. Sinon, on n'est pas dans la merde. Il y a des caca partout. Ah, incroyable Dirty Mind. Hein. Est-ce que j'aurais pas intérêt à visiter un peu plus? Je sais pas. Je suis en train de bader. Ah, j'aurais pas dû prendre le cœur bleu. Ah, j'ai pas buté tout le monde. Il est où l'autre con? Mais il est où l'autre con? Ah. Youhou! Double skev. Bad gaz. La chanson de. Billie Eilish. Bad gaz. Ah non. Je crois que j'ai déjà fait cette blague sur une autre run, hein, mais bon. Ça change pas d'habitude, quoi. Mes blagues sont toujours aussi mauvaises, quoi. The Hierophant, c'est oui The Hierophant, parce que je suis un gros sac à merde et je vais forcément perdre mes cures bleues. J'y crois à mort. Hein. Ah, ça va péter de partout. Hein. J'ai rien laissé sur le bas-côté, très bien. Ah, c'est chiant lui. Oh, ça va, ça va. Bon, faut rater de tirer, merci. Hop là. Ouf. Ouf, j'ai pas passé un bon moment là. Ah, il y a le cœur bleu. Hein. Ok. Oh, le split, c'est fou, hein. Ok.
full health, vraiment. Oh, c'est incroyable parce que ce mob est incroyablement chiant à buter. Bon, je pense qu'on a un bon, on a... Voilà. Bon. Si on en doutait, on vient de one-shot ce boss. Hein, bon. Ah, c'est l'expérience sociale, quoi. On a les glitter bombes. Hein. Après tout. Hein. Les glitter bombes, hein. Je vois pas pourquoi on n'en profiterait pas. Hein. Ça peut donner des pilules. Hein. Je sais plus ce que ça fait, Perks. Je. Ouais, ça peut donner des runes. Hein. Ouais, ça peut donner une rune. Hein. Ouais, ça peut être incroyable. Alguise. Eh, regardez, on va chercher Alguise. Vous voulez que cette run dure 2 heures? On va chercher Alguise. Hein. Mais aussi, quelle idée de me donner les bombes infinies aussi là. Ouais, franchement. Franchement, c'est pas une honte. Ça, poussez-vous. À n'importe quel moment, je me prends ma bombe. Hein. C'est. Bah, regardez, on va trouver Alguise. C'est sûr. Non, mais je vous jure, Alguise. Alguise, c'est sûr. Regardez. On a eu Berkano après tout, on a eu Berkano. En vrai, Non, allez. Quelques petites d'air là, et après on y va. J'étais con. Hein. Ah, ça pop plus là. Ça y est, ça, c'est terminé. C'est terminé, Glitter Bomb. Ça y est, c'est la fin du rêve. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Non, des clés, la carte clé, pilule. Soul of Lost. Vous voulez pas qu'on ait Soul of Lost? Bon, allez, on se casse, hein, vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé. Ouf, lui il est chiant. Voilà, si vous en doutiez, hein. Regardez, on a utilisé une bombe quoi. The Ward, voyons. Ok. Putain, mais notre range, elle est. Y a pas de mots pour la décrire quoi. Il y a bien moyen d'avoir un meilleur trinket. Je sais pas pourquoi je sens que c'est à gauche. Pas du tout. Bon, c'était pas à gauche. Un cake arc-en-ciel, vous n'avez pas les cake arc-en-ciel vous? Une technique de speedrunner hein. Merci tu monsieur. Je commence à me dire que tu voulais pas mourir, mais bon au bout d'un moment. Oh t'es chiant. Oh vous êtes chiant vous. Alors, j'ai glissé, j'ai utilisé une bombe. Hein. On va voir Alguise, hein, c'est sûr. Pourtant, on l'a dégommé. Hein. Mais je veux pas The Youngman. Je veux pas ça. Bon, c'était un étage fort sympathique. On va pas abuser les glitter bombs parce que je pourrais en off hein, chercher Alguise. Quoique Alguise c'est pas si fou puisque je crois que c'est sur Forgotten. Hein.
Donc en soi, c'est pas si worse, c'est pas worse en fait. Un petit cœur doré quoi. Oui? Oui, vous voulez bien mourir? Merci. Oui. Déjà? Putain, on a fait vite. Quoi, on est à une demi-heure de run, je crois. On va faire ça, je pense. Bon, ça va pas être tout. Ça va pas être simple le combat contre Dogma, puisque. Bon, la partie avec la télé, ça devrait aller. En vrai. Mais la partie où il bouge tout le temps. C'est plutôt chiant. Comme Delirium est chiant aussi avec Tainted Forgotten. On va bien voir. Hein. Ça aux F. Mandagaz, je le garde au cas où. J'ai posé les deux cœurs bleus parce que je sais que je vais fortement perdre mes cœurs bleus. Et c'est parti. Ok, mes cœurs bleus sont là. Après j'ai l'os en mode homing donc. Mais la godhead hein, c'est de la triche hein. Bouge pas surtout. Reste là. C'est parfait. Putain, je trouve cette phase incroyable. Mais là, par contre, ça va être chiant. Ça va être chiant. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit, je souffre. Hein. Mais je m'en prends des cœurs rouges. C'est bon, t'as fini ton cinéma. Au secours. Eh bien. Oh, c'est pas du plaisir, hein. C'est ça rien de... LOL. Oh, c'était un cauchemar. Oh, Dogma, c'est un cauchemar. Cette phase-là, horrible. Bon, je vous laisse la cinématique. Avec 6 coeurs par contre. Ah, je suis. J'ai Dagaz, hein, si je l'ai bien récupéré. Donc potentiellement j'ai 7 coeurs, Holy Mantle. C'était full vie, hein. Allez, c'est parti. On va voir comment ça se passe, hein. Ok, il reste en l'air, c'est parfait. J'ai vraiment perdu mon Holy Mantle là. Ah, mais c'est un cauchemar! Il fait n'importe lui là.
Ça se passe très très mal. Il va falloir le crever assez vite là parce que sinon je suis dans la merde. Quand je le récupère, au secours! J'ai perdu! Ah, fais chier! Ah, fais chier! Ah, c'est chiant! Ah, c'est chiant! Dogma, c'est chiant! Oh. Allez, merci YouTube! N'oublie pas le pouce bleu! Sur... Perdu! Perdu! On a perdu! C'est dommage! Hein. Voilà! Voilà! Au revoir!